après la pluie, vient le beau temps. Il vous revient. L'animateur le plus influent de la bande FM. Martinez Zogou. Martinez Zogou. Le propriétaire de tous les dossiers. La voix des sans-voix. Martinez Zogou. Plus fort et plus brutal que jamais. Quand le match était important, un match Canon Union, Canon Tonnerre, 5 000. Les joueurs étaient logés. Les joueurs avaient un salaire. Ouais, dis donc. On a eu Dinamo avec Papa Mbousse. Dinamo a goué raison. Avec les Eyobopo, Lalain, les Cinquot, Isaac, les Tchoumban, dis donc. Vous parlez même de quoi là maintenant? C'est la sorcellerie? Mais, pour faire partie Eyobopo, Lalain de Dinamo, pour un autre club, il fallait avoir de l'argent. Les présidents mettaient de l'argent. Mettaient de l'argent. Ah ouais. Vous parlez même de quoi? Il y a quoi là? Il y avait Papa Ngassa Api avec les Nassara Kamakai, Union de Douala. Un Beb Solo. Et Nanga Jojo. Les Kamga, Ijeune Ekoulé, les Mayebi, Joseph Bel-Antoine, Canon, Union, Stade, Archi, Blanc, depuis midi, maître du championnat. Union, Ogol, Bel, Canon, Ogol, Thomas, Nkono, Libéraux, Canon, Akono, Union, Dumbeleya, tous internationaux. Oui. Écoulez là-bas, Manga ici. Emana ici, et Nanga Jojo là-bas. Ha? Mayebi là-bas, Ngeya Jek ici. Hey! Mbida ici, Kamga est là. Vous parlez de quoi? Vous avez vu le football? Vous, ceux-là, les pipis que je vois là, les Mbimanyak que je vois là, arrêtez! Vous pouvez parler? Canon, Dynamo, Tonnerre, Canon, Tonnerre, Canon. Et à sa propre marque, on dit Samuel Eto'o a rénové le football. Il a, il y a quoi là? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Demandez comment les transferts se faisaient. Tu allais faire comment pour prendre Manga pour l'amener ailleurs? Tu allais faire comment? Mais attendez! Si Samuel Eto'o veut mettre de l'argent, son argent, dans le football, il y a deux choses. Il achète un club ici, ou il crée son club. Il structure. Il met un centre de formation sur pied. Il a l'équipe senior. Il a l'équipe junior. Il a l'équipe cadette. Il a l'équipe minime. Là, tu mets ton argent dans le football. Tu encadres les jeunes. Tu mets dans les conditions adéquates pour qu'ils réussissent. Quand on est milliardaire et qu'on veut mettre son argent dans le football, soit on achète un club, comme ça se passe partout dans le monde, soit on crée son équipe. Katumbi, tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, milliardaire, il ne se bat pas pour la Fédé. Quand il dit qu'il veut se battre, c'est pour être président de la République du Congo démocratique. Point final. Vous comprenez? Il faut arrêter ça. Samuel Eto'o n'a rien. C'est un fauché. C'est un fauché, monsieur. Racontez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'argent là-dedans.
Il est venu bluffer et c'est bon. Ouais. C'est bon. Il faut être clair avec les gens. Moi, à la place de Samuel Eto'o, j'aurais dit aux gens, je viens pour repenser l'organisation du football. Je viens pour restructurer le football. Ne comptez pas sur moi pour y mettre de mon argent. Je vais me battre avec des partenaires pour amener dans le football de l'argent. Il aurait dû dire ça. Maintenant, les premières conditions ici auraient été que Samuel Eto'o demande à chaque club combien vous avez dans vos comptes. Pour que moi je vous vienne en aide, vous-même vous avez déjà quoi? On prend l'argent, on donne au président des clubs, il s'amuse avec, on se plaint. Mais non, rien n'a été organisé, structuré pour que les présidents des clubs ne s'amusent pas avec l'argent de la subvention des clubs. Rien n'a été fait. Je l'ai dit ici clairement.